merci de m'accueillir. Et ce que je peux dire, c'est que les puissances occidentales, notamment la France qui nous a accompagnés pour nos indépendances, est resté le partenaire privilégié. Vous savez que dans nos administrations, il y avait des Français qui ont travaillé jusqu'à une certaine époque. Les Camerounais sont venus les remplacer. Ça veut dire que l'esprit de notre administration a été inculqué par la France. Et c'est d'ailleurs cela qui nous pose souvent des problèmes. Parce que le partenaire français est venu et il nous a imposé pratiquement sa culture. Sa culture dans la gestion administrative, sa culture dans la gestion des affaires. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons tendance à suivre cela et de ne pas nous remettre en cause. Donc ça pose quelques petits soucis parce que nous voulons avoir une identité. À la recherche de l'identité, ça pose des problèmes qu'on ne se remette pas en question. Ça dépend de notre volonté, hein. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays à multiples cultures. On l'appelle l'Afrique en miniature. Donc, en réalité, on a une mission qui est très, très importante pour l'Afrique parce qu'on devrait être l'exemple. Et je pense qu'on a beaucoup de retard par rapport à cela. On doit diversifier les partenaires. On doit pouvoir penser notre développement. Il est regrettable que les plans quinquennaux n'existent plus parce que, après les indépendances, à un certain moment, on a vu mettre en place des plans quinquennaux. Ça nous a fait avancer. Rappelez-vous que le Cameroun était ce pays qu'on pointait du doigt qui avait plusieurs capitales. Ça, c'est quelque chose qui était fondamental à l'époque. Donc, les choses se sont dégradées avec l'arrivée du FMI et autres. Nous avons quitté nos objectifs, à savoir le développement à la base. Nous avons quitté ces objectifs-là, et puis la crise est arrivée, on tourne en rond, et ça manifeste beaucoup de retard dans ce qu'on doit faire. Et il faut même déjà définir où est-ce que nous allons. Quel est notre potentiel? Parce que si vous ne connaissez pas votre potentiel, vous ne pouvez pas réformer votre éducation pour que les Camerounais sortis de l'école puissent trouver de l'emploi parce que vous avez choisi des créneaux et que vous voulez booster ces créneaux-là. Donc on a tout ça qu'il faut remettre en cause, les états généraux de l'éducation, de la culture et autres. Donc je dois dire que c'est difficile. C'est difficile parce qu'en ce moment, on ne ressent pas cette volonté politique d'être nous-mêmes. Oui, je dois dire que les relations entre pays, ce sont des relations d'intérêt. D'intérêt bien compris. Et quand vous avez un partenaire qui sait où il va et qui s'est préparé pour venir vous rencontrer, si vous n'êtes pas prêt, forcément il y aura des équilibres. Et vous aurez tendance plutôt à l'écouter et lui, il agit dans son intérêt, ce qui est légitime. Est-ce que vous agissez dans votre intérêt? Pour agir dans votre intérêt, il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre pays? Quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de votre pays? Pourquoi est-ce que vous allez vers le partenaire? N'est-ce pas pour arranger le problème de vos faiblesses et vous connaissez vos forces? Quand est-ce qu'on va arrêter de nous appeler riches mendiants? Parce que nous sommes riches, en même temps nous sommes mendiants. Donc, quand on n'a pas cette prise de conscience, alors on ne peut pas avancer. Il est difficile d'avancer. C'est la raison principale pour laquelle il faut qu'on se remette en question, qu'on puisse avoir un nouveau contrat social. Parce que qu'est-ce qui fait notre force? C'est notre peuple. Alors, notre peuple, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il agit ou bien il subit? Donc, toutes ces questions doivent avoir des réponses et des réponses fortes qui puissent permettre de savoir que le citoyen camerounais est citoyen partie prenante.
C'est avec cela qu'on bâtit. On n'a pas d'un côté des soumis et de l'autre côté des gens qui décident. Non, on doit travailler en symbiose, c'est-à-dire que le Cameroun doit être fait par nous tous et pour nous tous. Mais il faut qu'avec toutes les intelligences qu'il y a au Cameroun, qu'il y ait cette volonté politique de se poser la question et le bon diagnostic et de savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses et où est-ce que nous allons. Quand on aura défini cela, maintenant on met la machine en route, même nos enfants qui vont aller à l'école vont apprendre le patriotisme, vont apprendre les filières qui vont avec ce que nous avons de fondamental et là où nous voulons aller. On avait dit l'agriculture par le passé, les plans quinquennaux nous ont permis de travailler dans ce sens-là. Il y a eu le commissaire agro-pastoral, aujourd'hui, qui n'existe plus. Donc, on n'a pas fini d'atteindre cet objectif que le projet est mort. Voilà ce qui nous fait reculer. Donc, quand on parle aujourd'hui de balance commerciale et autres, ça veut dire que nous ne produisons pas. Nous ne produisons pas suffisamment pour s'auto-alimenter déjà. Donc, il y a un problème à cela. Tout est possible, à condition qu'il y ait encore une fois la volonté politique. Parce que si les dragons sont nés, c'est du fait qu'ils se sont remis en question. Ils n'ont pas continué avec le système colonial. La colonisation étant terminée, nous devons nous faire notre propre identité. Si nous nous faisons notre propre identité, cela permettra que nous sachions où nous allons. Donc, si on part sur ce principe-là, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que nous ne nous sommes pas encore remis en question. Parce que nous sommes dans une sorte de continuité de la colonisation. Le colon blanc est parti en laissant un colon noir blanchi. Est-ce que c'est de ça dont nous avons besoin? Et je pense que ça ne nous réussit pas. Donc, la première chose fondamentale que nous devons faire, c'est de faire en sorte que tout le monde soit partie prenante, acteur partie prenante, participe. Et il y a des mécanismes aujourd'hui. Nous avons ces intelligences, on peut combiner des choses, ce qui est bien de l'autre côté, qui permet d'avancer, et ce qui est notre propre culture. Nous pouvons le faire. Nous avons aujourd'hui 360 communes, c'est 360 maisons de la culture. Ça peut générer beaucoup de choses. Nous avons la décentralisation qu'on appelle de tous nos voeux. Ça peut permettre d'avoir de multiples emplois, des millions d'emplois, à condition que nous ayons ciblé où est-ce que nous allons, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre, et mettre les enfants, les jeunes, à l'école pour qu'ils puissent y aller. Il est quand même surprenant que nous produisions autant d'universitaires et qui n'ont pas de travail. Ça veut dire que nous nous sommes mal orientés. Alors, il est temps que nous revenions en arrière pour voir quelle est l'orientation que nous voulons donner. Et pour cela, il faut inventorier le potentiel que nous avons. Nous apprenons que nous avons plus de 300 minerais, etc., etc. Mais c'est la Banque mondiale qui a bien voulu nous le dire. Mais, et même quand nous le savons, qu'est-ce que nous faisons donc pour que nous puissions traiter d'égal à égal dans les intérêts bien compris? Pour traiter d'égal à égal, il faut notamment qu'on ait d'abord, encore une fois de plus, la volonté politique. Parce que sur le plan humain, nous n'avons pas de déficit. Sur le plan de la nature, elle nous a gâtés. Donc il n'y a pas de raison que le Camerounais ne puisse pas être celui qui est envié à travers le monde de par son standing de vie et de par sa qualité et la performance de ses hommes. Mais maintenant, c'est le politique qui guide tout. Est-ce que le politique a la volonté de changer les donnes et de rendre les Camerounais heureux et vertueux? C'est la question fondamentale que les jeunes doivent se poser pour avoir à choisir demain qui va les représenter.